Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des verrines saumon avocat. Allez, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour réaliser des verrines avocat saumon, il vous faudra du saumon, des avocats et de la crème liquide. En premier temps, vous prenez votre avocat et vous le coupez en deux. Et je vous montre une astuce pour enlever le noyau assez rapidement. Je vous montre aussi une astuce pour enlever la chair de l'avocat sans l'abîmer si un jour vous voulez faire une salade ou une décoration avec de l'avocat. Étape suivante, vous coupez votre saumon en petits cubes. Dans un saladier, vous mettez vos avocats et vous les écrasez jusqu'à temps que vous obtenez une consistance de purée. Après avoir eu la consistance voulue, vous pouvez mettre la crème liquide. À l'aide du batteur électrique, on fouette le tout et ça va être une consistance de mousse d'avocat. Et voilà, on a fini de fouetter et vous avez vu, ça a doublé de volume. Je mets une pincée de sel pour rectifier l'assaisonnement et je refouette le tout. J'ai mis la mousse d'avocat dans une poche à douille avec une douille cannelée. Pour le montage, je mets d'abord une couche de mousse d'avocat. Et là, je mets le saumon, on va faire plusieurs étages. Je remets une couche de mousse d'avocat et je finis par quelques dés de saumon. Et voilà le résultat, franchement, ça me donne envie de prendre une cuillère et de directement goûter, ça donne trop envie. Et voilà, la recette est finie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes, allez, bye tout le monde.